CFPM 10, la télévision de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, le Québec s'en est bien tiré aujourd'hui. Ailleurs, ça a été un peu moins comique. À Calgary, par exemple, depuis hier après-midi, on se tient aux arbres et aux poteaux de téléphone pour ne pas être emporté par les rafales de vent. Du côté de la Floride, en certains endroits, inondés par des trombes d'eau. Et enfin, les Maritimes, tranquillement pendant ce temps-là, recevaient en certains endroits de 22 à 25 cm de neige. Donc, le Québec s'en est bien tiré. Et petit front qui passe en ce moment, valant un peu de pluie ou de neige. Ensuite, c'est le dégagement, comme on le voit. Et en provenance de l'ouest canadien, encore une fois, autre système qui devrait nous affecter éventuellement dimanche, notamment sur le centre de la province et éventuellement aussi lundi. Alors revenons sur notre carte avec la position des systèmes pour demain dans le courant de l'après-midi. Comme d'habitude, on retrouve toujours le même menu du côté de Vancouver, de la pluie avec 12 degrés. Un genre de ciel variable à Edmonton avec 10, tandis qu'à Calgary, c'est plutôt couvert avec 10 degrés également. Beau et chaud, c'est le cas de le dire à Regina avec 15 degrés, ainsi d'ailleurs qu'à Winnipeg avec 12. Dépression qui s'amène de l'ouest canadien et qui va affecter l'ouest de l'Ontario pour demain. Et ensuite, ça viendra tranquillement vers l'est pour dimanche. Toronto, donc, en attendant, c'est couvert pour l'instant, mais ça va se dégager. Ce sera ensoleillé dans l'ensemble demain pour se couvrir en soirée, avec un maximum de 13 degrés. Pour les deux tiers du Québec, demain, c'est dans l'ensemble ensoleillé, avec 6 degrés dans le sud, plus froid, bien sûr, sur le nord. La dépression s'éloigne maintenant vers l'Atlantique et les fronts balaient encore les Maritimes, Terre-Neuve, avec de la neige éventuellement jusqu'à Cheverville. Et ensuite, on le voit donc, il y a un espace, une journée, demain, et ensuite l'autre système qui s'amène. Alors, on voit tout cela en détail. Pour le secteur de la Grande, Bella James, Matagami, Chibougamau, dans ce secteur-là, pour cette nuit, c'est couvert avec un mélange de neige fondante, de neige, et même de verglas par endroits, de grésil venteux. Pour demain samedi, c'est nuageux au départ, retour du soleil l'après-midi venteux. Et pour dimanche, c'est un ciel couvert avec éventuellement de la neige fondante. Bien entendu, avec le front chaud, les températures à la hausse, moins 5 pour cette nuit, maximum demain, 0. On s'en va vers l'est maintenant, Cheverville, Wabush, Gagnon, Labrador, City, Manicouagan, dans ce secteur des passages nuageux pour cette nuit. Pour demain, c'est couvert avec un peu de neige venteux par moment. Et dimanche, un ciel variable. C'est bien entendu un peu plus froid. Mais enfin, ça remonte tout de même, moins 12 et moins 2. On revient maintenant vers l'ouest, l'Abitibi, Témiscamingue, les réservoirs Kabonga et Gouin. Pour cette nuit, un petit peu de pluie, puis demain, ça se dégage, retour du soleil, venteux. Et puis dimanche, à nouveau couvert avec un peu de neige fondante, bonne température, un minimum aux environs de moins 2 et un maximum près de 8 pour demain. Pour le sud, Pontiac, l'Outaouais, Laurentine, Trois-Rivières, Montréal, Drummondville, l'Estrie, la Beauce, et éventuellement le Québec. Un peu de pluie pour cette nuit, très peu. Et puis demain samedi, c'est nuageux au départ, ça se dégage. Retour du soleil l'après-midi, venteux par moment. Et pour dimanche, pour le sud de la province, c'est un ciel variable, plus nuageux du côté de Québec. Avec cette nuit, un minimum de 4 à 6. Et pour demain, un maximum qui peut monter à 13 degrés dans le sud. C'est pas mal. Pour les secteurs de la Mauricie, Parc de Laurentides, la Malbaie, Rivière-du-Loup, le Saguenay, le lac Saint-Jean, couvert, petit peu de neige mêlée de pluie pour cette nuit, venteux par moment. Demain, des averses au départ, venteux, dégagement en soirée. Et pour dimanche, c'est l'inverse, soleil au départ, ennuagement graduel par la suite. Un minimum aux environs de 0 et un maximum près de 8. On termine avec l'Est. Matapédia, Rimouski, Carleton, Parc de la Gaspésie, Baie-Comeau, cette île, la Basse-Côte-Nord, l'île d'Anticosti-Gaspé. Des passages nuageux, une tendance à l'ennuagement cette nuit. Pour demain, un peu de neige au départ, ça devient venteux, dégagement en soirée, et pour dimanche, retour du soleil, avec cette nuit, moins 5 et un maximum de 2 degrés pour demain. Quelques centimètres de neige dans ce secteur, ainsi que du côté de Cheverville. On jette maintenant un coup d'œil sur les conditions actuelles à travers la province. Bonne température d'ailleurs, mais en certains endroits, il y a déjà la neige. Alors, Roberval, neige 2 degrés. Bagotville, neige, moins 1. Val-d'Or, partiellement couvert, 4. Toronto, nuageux, 12, c'est très doux là-bas. Ottawa, averse, 6. Sherbrooke, nuageux, 4. Québec, une averse, 1.
Sainte Agathe, une averse avec 4 degrés. À Gaspé, c'est dégagé, moins 8. Baie-Comeau, nuageux, moins 3. Sept-Îles, quelques nuages, moins 10. Wabush, moins 7. Chèvreville, moins 11. Chibougamau, neige, 1. Matagami, dégagé, 5. Et La Grande, un peu de neige avec 1 degré. La normale pour notre secteur, moins 4 la nuit, 5 le jour. Et on a eu moins 2,9 ce matin, 6,4 après-midi. Nous étions donc au-dessus des moyennes saisonnières, sans toutefois battre le record de chaleur de 26 degrés en 1945. Le soleil debout, 5h41, couché, 18h17. Alors, les conditions actuelles, c'est couvert. Il y a quelques gouttes de pluie dans le secteur métropolitain. C'est 6 degrés, l'humidité 61%, vent du sud à 18 km/h et la pression descend 101,24 kPa, le front n'étant pas passé. Pas de précipitation de neige reçue aujourd'hui. Alors pour cette nuit, c'est couvert, des vents légers à modérés, un tout petit peu de pluie. Demain, d'abord un minimum de 5 degrés, ce qui est très doux pour la saison. Pour demain samedi, au départ c'est nuageux, dégagement graduel, retour du soleil demain après-midi, avec des vents du sud-ouest de 15 à 25 km/h et un maximum qui monte à 12-13 degrés pour demain, ce qui est pas mal du tout. Et pour dimanche, genre ciel variable, risque d'averse également en soirée, maximum de 12 degrés. En résumé donc, pour les prochaines 48 heures et même 72 heures, plus de nuages que de soleil et des températures au-dessus des moyennes saisonnières avec des vents légers à modérés. Donc ça n'est pas trop mal, passez une bonne fête de Pâques. À lundi.